Salut les athlètes, c'est Jérém de JFIT. On se retrouve, étape numéro 9 de la Bordeaux Métropole Runners League. On est à Pessac, dans la forêt du Bourgail, et on se dirige vers la banderole, vers la bâche, indiquant le départ. Petite reco, il y a moins de 6 km, un tout petit peu moins. Une petite reco tranquille en trottinant. On va bien s'échauffer sur la fin. Et puis, on va attendre les copains pour faire un tour un peu plus rapide quand même. Et on fera sans doute un troisième et dernier tour en récup. Je vais essayer de ne pas me faire écraser. Merci madame. Jusqu'ici, le parcours est très sympa. Plus sur l'extérieur de la forêt. Chemin que je connaissais pas finalement, puisque chaque fois que je passe au Bourgail, eh ben, je prends le GR finalement. Donc je traverse la forêt, mais sans vraiment faire le tour. Et pour le moment, après, ouais, 1 km. Hyper sympa, très bien balisé, comme toujours. Cette fois, on peut dire un vrai merci, Clément. Pas juste pour... parce que c'est un saloupio sur les segments. Et là, par contre, j'ai l'impression qu'il manque une flèche. Ouais, je sais pas trop. La montre dit d'aller tout droit. J'ai l'impression que là, ça a été tourné. Ça, là, voilà. Ça a été tourné. C'est pas hyper cool. Donc là, on est sur le début du segment du puncher qui fait 400 mètres à peu près. Mais que je ne vais pas jouer. On se calme. On verra ça. On verra ça la saison prochaine, peut-être. Là, l'idée, c'est de le faire vite, le tour, mais vraiment pour avoir 6 km de rythme dans les jambes. Oh, allure seuil, ce sera très très bien. Bon, le parcours est vraiment chouette. Hein. Là, c'est vraiment très sympa. On a quitté le bitume de la piste cyclable pour rejoindre les petits sentiers. C'est vraiment cool. Voilà, après 3 km, on reprend le GR. N'oubliez pas, hein, le GR, qui sera le théâtre du Tour de Bordeaux, dimanche 31 juillet. Toutes les infos sur jfit.fr. Ensuite, vous cliquez sur Tour de Bordeaux, et vous avez tout ce qu'il faut. Si vous vous posez une question à laquelle je n'ai pas répondu, vous avez un petit bouton pour m'envoyer un mail. Vous n'hésitez pas, on va se réunir toute la journée. Départ à 5h du matin de Mérignac. Retour prévu entre 19 et 20 heures pour 122 km au profit de la Maison des Lats, une association qui soutient, qui aide les femmes victimes de violences, qui les aide à se reconstruire, qui les protège. Et franchement, je crois que ça vaut bien le coup de se lever à 4 heures pour aller faire 122 km. Pour les trailers qui sont rive gauche de la Garonne, à Pessac, au Bourgail, vous avez 5 belvédères comme ça. Petite séance d'escalier. C'est plutôt cool, je vais venir en faire une semaine prochaine, je pense. Ça va être hyper sympa. Et là, sur le parcours de la BMR, on n'y grimpe pas. Mais Clément y a pensé. Hein Clément, c'est vrai. Dis-moi en commentaire. Dis-moi que tu l'aurais fait. Parce que je sais que tu l'aurais fait. Et regardez le coquin de Clément. Il a quand même mis des marches. Hein. Regardez. Il ne pouvait pas s'empêcher. Juste avant le grand belvédère. T'es un coquin, Clément. T'es un gros coquin.
Lita. Ah, ça y est, c'est fini. 20 minutes et 32 secondes. Attendez, j'attends que la montre défile. Ouais, c'est ça, 20 minutes, 32 secondes. 4,06 au kilomètre, près de 15 km/h. Et ben ma foi, le lendemain d'une séance d'intensité, après 3 jours consécutifs à courir, c'est plutôt cool. Mais je suis muerto. Et là, on attend les copains sangliers, on attend Thomas, qui devrait pas tarder à arriver. J'ai récupéré ma bouteille, bien boire, prendre une petite compote, et puis je vais repartir pour un tour de récup vraiment cool. Love you is struggle. I feel like a danger when we serve.